Saison 2023-2024 a continué. Selon ça, tu donnes match Champions League. Côté, nous connaît plusieurs qualifiés pour deuxième tour compétition ça. Certainement, dans les dernières journées, on a connu le reste équipe qui va le jouer 8e de finale compétition ça, 8e de finale Ligue des Champions qui a commencé dans le mois de février. Mais en Ligue des Champions ça, après 5 journées, il y a deux équipes seulement qui font le plein. 5 matchs, 5 victoires. Deux équipes ça, c'est Manchester City et l'équipe Real Madrid. Real Madrid qui était dans le même groupe avec l'équipe Napoli. Union Berlin, Braga, si ça tirage dans le même été bail. Au final, après 5 journées, Club Madrid fait le plein en dans la compétition. Ça. Real Madrid, résultat yo a marché très bien pour lui. Non seulement le club lui-même l'a qualifié après 4 journées, dans la 5e journée, il a battu l'équipe Napoléon 4-2. Mais dans la Liga, Real Madrid c'est leader de compétition. Ça. Leader de compétition avec 35 points devant l'équipe Girona. Non seulement Real Madrid depuis une bonne différence, mais l'équipe Real Madrid bat l'équipe Girona Kajol. Saison 2023-2024, pour 19 matchs que l'équipe Real Madrid a joué, c'est 16 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. 44 goals que le club Real Madrid a marqué, c'est 14 seulement qui a encaissé. Dans la Liga, par exemple, Real Madrid c'est deuxième meilleur attaque dans la compétition. Ça, c'est meilleure défense là dans la Liga espagnole. Et Real Madrid c'est club tout qui crée plus occasion, qui génère plus occasion par match dans la Liga. Donc c'est en saison que l'équipe Real Madrid là a fait des résultats. Comme là, qu'est-ce qui est comme mérite sous saison ça? La première chose, Jude Bellingham. Jude Bellingham c'est élément prépondérant en dans l'équipe football ça. Saison 2023-2024, c'est quand même 15 goals, 4 passes pour Bellingham. 15 goals, 4 passes pour Bellingham, c'est quand même extraordinaire. Pour le football, c'est première saison en Espagne, première saison dans le Real Madrid. L'idée seulement, vers l'année, gagne 3 transferts en tout, parce que le Real Madrid a acheté M. pour 103 millions d'euros, faut justifier le transfert. Et jusqu'à présent, le joueur a bien comporté. Et là, on compare les saisons 2022-2023, le temps de jouer en tant fini, mais le joueur de Michelinga. 2023-2024, lui déjà fait mieux par rapport à 2022-2023. C'était 14 belles saisons dernières. Saison ça, c'est quand même 15 goals pour Jude Bellingham. C'est quand même une saison extraordinaire pour Bellingham saison 2023-2024. Et sur 15 premiers matchs joués pour le Bayern Munich, c'est 14 goals qui s'est encore. Et même Bellingham ça, c'est 4 matchs, 4 goals. Ligue des Champions. C'est la première fois que ça fait dans l'histoire du club ça pour 4 premiers matchs. Un joueur de football, Lima qui gole. C'est le premier élément de satisfaction souterrain pour le club Madeleine. Deuxième facteur qui est très intéressant dans ta équipe de la Madeleine, c'est monsieur ça qui c'est Tony Kuss. Pourquoi ça veut mentionner Tony Kuss? Je mentionne Tony Kuss parce que c'est Pierre Angulaire équipe Real Madrid là n'est pas terrain dans gestion dans organiser jouer. Tony Kroos c'est joueur qui va le plus passe dangereuse pour l'équipe Real Madrid dans la saison commencé. C'est joueur qui réussit plus passe pour l'équipe Real Madrid là depuis la saison commencé. Ça veut dire que ça veut dire que c'est le joueur qui prépond devant le dispositif Ancelotti dans gestion équipe Real Madrid au niveau du milieu. On ne peut pas parler de joueurs qui a joué très bien pour le club Madrid sans ou pas mentionner Tony Kroos qui a joué extrêmement bien pour le club Zaha. Et une très bonne gestion
deux entraîneurs là sous Tony Kroos parce que c'est un joueur qui commence à prendre l'âge. Rodrigo, moi, je vois bien, c'est un joueur qui délivre marchandise là. Il était très mal commencé. Sorti août, la saison a commencé pour arriver octobre. C'était un Rodrigo qui n'était pas capable de répondre avec attente qui était placée sous lui. Le titulaire est discutable. Le match arrive avec Améan que Real Madrid fait 0-0. Et bien après ça, Rodrigo non seulement a joué bien, mais il est ultra décisif pour l'équipe Real Madrid. Contre Braga, contre Cadiz, contre Valence et dernier match bien contre l'équipe napolitaine. Lui jouer sur côté gauche, lui faire belle gueule. Deux gols contre Cadiz, gol contre l'équipe napolitaine, c'est des gols extraordinaires. Et même à Valence, c'est quand même 6 gols, 4 passes pour Rodrigo. Pas n'y a aucun joueur de l'équipe Real Madrid là. Dans l'intervalle ça, qui fait plus goal que Rodrigo, qui va plus passe décisive que Rodrigo. Et il y a deux masterclass game pour lui, dans la période ça. Match contre Valence là, que Real Madrid c'est 1, il fait 2 goals, il fait 2 passes décisives. Match contre Cadiz là, il fait 2 goals, il fait 1 passe décisive. Donc, il y a deux masterclass pour Rodrigo, dans le mois de novembre là. Et puis, gagner sérénité défensive. Real Madrid, c'est la meilleure défense qui gagne dans la Liga. Ils prennent 9 goals. Et Real Madrid, c'est la deuxième meilleure attaque en Liga derrière l'équipe jaune. Et Ancelotti, toujours dit lui-même, bien jouer au lycée, c'est bien attaquer, bien défendre. Et jusqu'à présent, l'équipe Real Madrid a fait ça à merveille, n'a pas quand même de l'équipe qui est solide. Depuis le match Atletico Madrid, il y a une volonté manifeste pour l'équipe Real Madrid très compacte le dernier ballon. L'union plus serrée. Sur le plan individuel, il y a des joueurs qui pas dans la logique à répétition font des erreurs bêtes. Par exemple, le mec de Gavaral a joué très bien pour l'équipe de Real Madrid. Rudiger, c'est un défenseur qui a un comportement très méchant, mais il est très solide tout. Surtout dans le duel aérien, dans la bataille aérienne, Rudiger a joué extrêmement bien. On parle de Tony Kroos. On ne peut pas parler de Federico Valverde. Si on a uniquement gardé un joueur dans l'aspect goal question, pas tromper ou. Ou de regarder combien de kilomètres qu'il fait. Est-ce que le plein terrain, capacité gain pour connecter avec le joueur qui n'a que terrain et capacité gain pour faire projection. Valverde, c'est un joueur qui est extraordinaire. Si c'est vrai, 2022-2023, dans la période ça, c'était un joueur football qui tape été ballon dans le 2024, il n'y a pas de milieu sur le plan statistique. Le football, il n'est pas uniquement une affaire de statistique. Il n'y a pas quelques facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Terrain que le joueur a même découvert. Capacité de pour combiner. Importance, agressivité, non schéma tactique entraîneur. Et bien, Federico Valverde, c'est quand même une personnalité très importante. Notre projet Ancelotti 2023-2024 là. C'est quand même une équipe qui gagne plus de mérite. C'est notre collectif là qui vient, qui a marché sérieusement. Pas une équipe qui a mal du nom, perdu Militao. Perdu Thibaut Courtois. Il n'y a pas de choix mené, même le choix mené lui-même, il commence à prendre un entraînement. Il n'y a pas de Camavinga. Les palais Vinicius. Non, moi, dit là, yo. Camavinga, Chouameni, Vinicius, Courtois, Militao, gagne 4 sur 5 qui sont titulaires indiscutables. Vinicius sont titulaires indiscutables. Chouameni, même bagaille. Ça fait Chouameni, c'est une personnalité
indiscutable dans le projet Ancelotti. Moi, je vais le terrain à 4 en forme d'osage, côté où il y a un vrai média récupérateur, 2 millions de millions, le joueur en position de 10, ou a besoin de médias défensifs, parce que c'est lui-même qui a un profil qui est différent par rapport avec l'autre, parce que l'autre est très semblé. L'autre en valeur de Bellingham, il n'y a pas de réflexion joueur, il y a un joueur qui est beaucoup plus direct. Tolkus a un profil qui est différent de l'autre, profil organisé joueur, bah, il joue en rythme, bah, il joue en tempo. Bellingham en position de 10, ce n'est pas le genre de joueur qui a réfléchi. Pour bah, jouer en rythme, pour bah, jouer en tempo, ballon prend moins temps dans le pied. Parce que bon, on joue qui est très direct, ça va aller au milieu box to box. Il va là tout pour quand on sait lui-même, il est fait de vous parler. Et bien, profil, pour mettre en pile densité, agressivité au niveau du milieu, assurer l'équilibre, c'est choix de milieu. Choix de milieu sont titulaires indiscutables. Problème de blessure. Kamavinga, certes, c'est mon titulaire, mais c'est un véritable dépanneur qui est capable de jouer comme lui, mais déjà récupérateur, jouer comme lui, jouer comme latéral. Et Dan Litao, c'est mon titulaire indiscutable, le blessé, pour le duel. Et ça n'a pas de réussite. Équipe football, certainement, gardien a une importance capitale dans cette affaire-là. Thibaut Courtois, 2021-2022, c'est plus gros campagne un goalkeeper fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mais les gens sont capables d'aller au bout pour dire que Coupe du Monde 2002, Olivier Kahn fait avec l'Allemagne, d'ailleurs, c'est le seul gardien qui mérite la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2002, impact, importance, monsieur, aller décisif, monsieur. C'est plus de campagne que l'on fait en dehors de la Coupe du Monde. Pas le même match, mais sur l'ensemble de la compétition. Et bien, c'est même la galère pour Courtois. Courtois, c'est l'équipe qui fait plus arrêt sur une saison Ligue des Champions. C'est l'équipe qui fait plus arrêt dans la finale Ligue des Champions. C'est l'équipe de classe mondiale. Perdu Thibaut Courtois pour une longue durée, c'est une perte énorme. Maintenant, deux équipes qui ont deux équipes de l'Allemagne, que ce soit Kepa, qui lui-même, problème physique tout, dans l'équipe de l'Allemagne, mais Kepa assuré, lui-même assuré. Donc, l'erreur de l'équipe de l'Allemagne, c'est quand même, non seulement un effectif qui n'est pas trop long, et ceci, depuis le mercato, un coach, là, qui est un peu effectif que l'Abgena, mais coach n'a pas toujours gagné meilleur élément à disposition de lui. À la douleur par janvier, Vinicius est blessé pour un mois. Il est blessé encore. Nous pas pour le mois de décembre. Kamavinga, nous pas pour le mois de décembre. Il est valable pour Courtois, il est valable pour Militao. Malgré tout, équipe l'a généré en pile occasion. Équipe là a fait une excellente saison. Et la saison 2023-2024 là, c'est seulement Ak City qui fait le blé après 5 journées. Mais pas que dans tout le monde qui a parlé là, nous parlons de l'aspect collectif là. C'est quand même une équipe qui a joué très bien. Depuis 8 défaites contre l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est beaucoup plus équilibrée. Tactiquement, techniquement, physiquement et défensivement. Ligue 1 de Lingam qui continue à jouer bien, et de Lingam tout, qui a laissé nous tout. Rodrigo, Moineau Blanc, c'est le meilleur joueur équipe de Madrid dans Moineau Blanc. Mais, entraîneur, pas capable de pas de mérite. Ça fait, on pas capable de pas parler de mérite Ancelotti. La bataille équipe de Madrid, Ancelotti de déjà connu à qui est la fin saison. De Lingam, Ada Gouleur, Fondacia, Ousilou, c'est même ça. Et Ancelotti était vu au neuf. Après le club, il est obligé de déclarer que lui n'est pas
effectif là. Mais connaissance c'est l'outil, il toujours besoin d'un buteur, d'un vrai neuf. Quitte Milan, quitte Real Madrid première version, même Real Madrid deuxième version avec lui même, il était toujours gagné soit un gros buteur ou bien un neuf. Benzema, Cristiano Ronaldo, Kaka, Inzaghi. Et bien Tchèvchenko. Là, il est fini. 2-9. Maintenant, gros mérite que M. Gagné, nous d'accord que Joe Bellingham comme joueur football, c'est une intelligence qui est allée au-delà, sens déplacement joueur football, ça, capacité de gagner pour lui démarquer, capacité de gagner pour lui proposer, et justesse de gagner dans la prise de décision. Mais, Ancelotti, comme entraîneur, c'est comme comment pour lui tirer le meilleur de Jude Bellingham. Et le meilleur de Jude Bellingham fait que je dis là, Nanon Reus, tout ballon d'or, eh bien, Jude Bellingham fait partie du de gros favori dans la course pour ballon d'or, je dis. Et bien, Ancelotti, tout, pas capable, pas de mérite. L'équipe qui déplaît, qui donne des blessures. Deux, l'entraîneur qui était déjà connu dans la saison en 5-9. Faut entraîner lui-même, non seulement pour te faire une mise en question sur lui-même, mais faut qu'il soit capable de creuser dans l'effectif lien, le joueur qui est capable de délivrer la marchandise là. Si c'est vrai, l'équipe de la Ligue 1, il y a un peu de questions autour des deux Brésiliens, est-ce qu'il y a l'aise dans le schéma A? Oui, il y a 6 goals, 4 passes, non en novembre blanc, mais c'est quand même un joueur qui montre toute efficacité ça dans le novembre blanc sous côté gauche. Côté gauche là, c'est Vinicius. Certainement, le Vinicius va retourner libre aller sous côté droit là. Est-ce que la demeure non? Le Vinicius va retourner. Le blanc que tu gagné, que tu gagné jusqu'à présent, non moins le blanc, mais non position qui est très différente par rapport à ça généralement de jeu. Est-ce que Vinicius lui-même, saison 2023-2024, qui commence à entacher pour la blessure, est-ce qu'il a retourné, il a gagné efficacité 2023-2024 là? Jean que tu gagné 2022-2023, c'est la grande question. Mais jusqu'à présent, c'est mon équipe football qui joue très bien, certes, des manches de progression et qu'il est capable de faire plus toujours, Kaysali exigeant. Mais si vous regardez, ça entre dans la même ligue en mille, difficulté que vous gagnez depuis la pré-saison avec un neuf que vous n'avez pas gagné, il est obligé de jouer le neuf là, ou bien jouer le buteur là, non, effectif que vous gagnez, le buteur ça, c'est un milieu de box to box qui c'est 24 buteurs équipe là. Malgré blessure à répétition d'une série de joueurs calme, eh bien, le résultat a venu pour Ancelotti. Et là, c'est le Real Madrid qui est leader en championnat, deuxième meilleur attaque en championnat, meilleur défense en championnat, et qui gère le plus d'occasion dans le championnat d'Espagne. C'est le meilleur buteur en championnat d'Espagne. Et le qualifier avec mieux dans le championnat d'Espagne. Le 15 à Real Madrid a joué, par l'autre côté pour placer Paris Sportif, c'est dans l'automobile. Télécharger l'application automobile sur Google Play Store pour capable placer Paris Sportif, des paris simples, des paris multiples, des paris combo, et puis gagner l'autofoot qui se mariage bolette avec le match football.